Camille Combal est sur un petit nuage. En juin 2022, l'animateur phare de TF1 et sa femme, la journaliste Marie-Thérèse Stéphanie, ont accueilli leur premier enfant, répondant au doux prénom de Pio. Et forcément, l'arrivée d'un bébé n'est pas de tout repos et a profondément bouleversé les jours off de la vedette du PAF, comme il l'a confié au Parisien Week-end, vendredi 10 février. À la question « Êtes-vous un oiseau de nuit ?», il a ainsi confessé sans détour, « Plus vraiment depuis que je suis papa. Mais je continue à retrouver mes amis au restaurant, au moins une fois dans le week-end. » Qui dit nouveau-né, dit aussi nuit écourtée. Un rythme difficile à tenir pour le chef d'orchestre de Masque Singer, qui n'aime pas vraiment ouvrir l'œil à l'aube. Je pourrais me réveiller à midi sans problème. Mais, depuis que j'ai une vie de famille, je programme un réveil où je me fais tirer du lit par mon fils, qui réclame un biberon. La dernière fois c'était à 6 heures, ressenti 4 heures, a-t-il confié avec malice à nos confrères. Supérieur à supérieur à ces naissances qui ont marqué l'année 2022, Camille Combal, sa rencontre magique avec le petit Pio. Si Camille Combal a dû faire certains sacrifices en devenant père, l'animateur de 41 ans ne reviendrait certainement pour rien au monde sur cette décision. Pour preuve, invité de l'émission 3 Darons un café, diffusée sur YouTube en janvier dernier, l'ancien complice de Karine Ferry était revenu avec émotion sur sa première rencontre avec la chair de sa chair. À un moment donné il arrive, tu chiales comme une merde. C'est le moment où c'est concret. Et de poursuivre le récit de cet accouchement, tout d'un coup, tu te retrouves tout seul avec lui. Moi j'étais dans une pièce, tout seul avec lui, pendant une bonne heure. Et là, c'est le moment où ça se concrétise. Point, je ne faisais que lui parler. Bref, le début d'une belle aventure. Article écrit en collaboration avec Cimédia Crédit Photo, Pierre Perrusseau.